King Family! On est parti pour une nouvelle vidéo. Ben oui, on continue mon chapitre 5. Ben oui, ben oui. On était rendu au moment que je parlais de mon meilleur ami, Jonathan, euh, que j'avais connu en maternelle. Ben oui, euh, en maternelle, euh, que, euh, il y avait arrivé quelque chose avec lui parce que, ben, un moment donné, j'ai commencé à ne plus le voir. Il, il a déménagé à Québec. vous J'en ai déjà parlé dans un autre, un autre chapitre. Il avait déménagé. J'ai su par maman que mon ami, mon meilleur ami, euh, malheureusement, euh, il s'est pendu dans sa chambre, oui, il s'est pendu dans sa chambre. Euh, pen, oui, chambre. Euh, euh, oui euh, moi quand, en savant ça, j'étais en peine, bien raide, de euh, savoir que mon meilleur ami était mort, qu'il s'est suicidé. Hein, que, ouais, euh, et euh, c'est ça, euh, ça c'est triste, c'est... Euh, des fois, on, on sait pas, hein, euh, qu'est-ce qui arrive dans la vie du monde. Que, eh, moi j'ai eu une vie difficile, je ne m'ai pas rendu jusqu'à là, mais je m'ai déjà euh, coupé. Eh, euh, oui, je m'ai déjà coupé. Bon, en tout cas. Eh, mais, en tout cas. Eh, eh, mais ça, je pense j'en ai déjà parlé dans un autre chapitre, mais je ne sais pas, je ne suis pas sûr. Eh, eh, un peu. Euh, euh, un mois plus tard, euh, après d'avoir su ça, eh, je recommence l'école, l'école des adultes. Eh, euh, ouais. Je l'école des adultes. Ça faisait déjà quatre euh, mois que, que j'avais arrêté. Et, euh, que, là, je recommence un, un peu plus tard euh, l'école. Euh, que ça. Et, Je reviens à l'école. Pourquoi que j'avais arrêté? Ben, c'est parce que je m'avais fait renvoyer, parce que j'avais fait des menaces à un gars. Euh, des menaces de mort à un gars. Euh, que je m'ai fait renvoyer. Et, euh, mais moi, je m'en foutais. Il restait comme juste trois mois d'école. que ça c'est ça, ouais, ben ouais, euh, c'est ça, et, euh, un, et là, bon, ben, un peu plus, que euh, euh, je vais rester chez nous, et euh, bon, euh, c'est ça, euh, et euh, j'ai compris des choses un peu plus tard, euh, euh, pendant l'été, j'ai compris euh, quelque chose qui m'a, euh, un miracle, qu'on pourrait dire, euh, en tout cas, euh, il y a dieu qui a entré dans ma vie, et pendant, ce, pendant cet été-là, euh, ben oui, j'ai rencontré un homme qui s'appelait Patrick, et il m'a parlé de Dieu, et, et moi j'étais, je croyais un peu en Dieu, je, comme j'ai je, je dit au début, euh, dans une, un de mes parties de mon chapitre 5, et je pense que c'est même la partie, euh, la partie, euh, l'autre partie, l'autre partie que je voulais parler, euh, euh, je pense que c'était la partie 5 de mon chapitre 5. Euh, euh, que, ouais. euh, que je pense qu'on l'est rendu à la partie 6. Euh, la partie 6 de mon livre. ouais je pense qu'on l'est rendu à la partie 6. Et je sais pas combien de parties qu'il va y avoir. Mais euh, ça. Euh, je parlais que j'allais Quand j'étais en prison, j'allais à la messe du mercredi. Euh, et grâce à la messe de, du mercredi, j'ai commencé à m'intéresser à Dieu. Mais bon, j'étais. Euh, c'est ça. Mais, euh, c'est ça, en sortant, ben, c'est ça, là, à un à l'été, j'ai croisé un homme qui s'appelait Patrick, euh, ben sympathique. Il, il m'a parlé de, de Dieu, et c'est en ce moment que j'ai commencé à aller à l'église. Ouais. Euh, ouais, ouais. Euh, deux mois plus tard, euh, je, je fête mes 20 ans. Ouais, ouais. ouais euh, je fête mes 20 ans. Ouais. Que ça, ça fait longtemps, de ça, là, regarde, là, j'ai 27 ans que hein, ça fait longtemps. Euh, trois mois plus tard, je rentre pour euh, une deuxième fois en prison pour euh, trois semaines. Euh, là, c'est à cause de... Euh, C'était à cause de quoi, je pense, que je l'ai écrit. Euh. Euh, ben, alors, non, je pense que je ne dis pas, mais bon, en tout cas, euh, euh, je rentre... Ben, euh, euh, j'ai l'impression que je le dis pas, mais moi je m'en rappelle. J'ai entré pendant trois semaines parce que euh, j'avais pas respecté euh, euh, une condition. Mais je pense que j'en avais parlé au début. En tout cas, j'avais fait que euh, euh, je disais que euh, j'étais avec une gang d'amis. Euh, on avait été à une piscine municipal. Ils ont retrouvé une bobette. Et que dans, mes, dans mon sac une bobette d'enfer en tout cas et, et quand moi je pensais c'était un casse de bain en tout cas je savais pas qui avait mis ça là il y a un moment donné ben on était cassé une fenêtre d'un restaurant en tout cas c'est à cause de ça qu'elle avait rentré en dedans parce que j'étais à un endroit que j'avais pas le droit d'être et j'étais sous hein. j'étais sur l'alcool, de j'avais bu et tout ça que hein. mais bon euh, c'est ça euh, c'est là que j'ai connu euh, Kevin un gars euh, de prison que maintenant j'ai plus ami avec c'est mon ancien coloc euh, ici c'est lui c'est ce gars là hein, mon ancien coloc qui, qui habitait avec moi qui habite plus avec moi parce qu'il m'a fait encore des problèmes ben il m'a fait des problèmes mais il me ben même je sais pas la première fois qu'il me fait des problèmes même euh, en comptant dans l'histoire vous, vous verrez qu'il m'a fait souvent des problèmes Et, euh, hein, mais ça c'est un peu plus loin que okay, c'est ça euh, ce Kevin là euh, je c'était un ami au début et après ça est devenu un chum c'était mon troisième chum mon troisième euh, euh, amoureux euh, homme parce que j'ai j'ai subi cette que j'ai ben ben des copines mais c'était euh, mon troisième chum j'ai eu juste trois chums dans ma vie que et c'était lui c'était le dernier que j'ai eu ça, Kevin okay, okay. il y a c'est le troisième gars avec que j'ai couché avec, bon que j'ai eu des relations euh, euh, sexuelles, euh, sexuelles avec, bon. Hein? Euh, euh, bon, le je dis que ma première relation s'est passée euh, en prison, en tout cas avec lui que, hein, on s'est pas fait de on était chanceux. Euh, après la prison, ben, je suis retourné dans mon 1 et, et, et demi euh, Quand j'habitais dans un demi, vous vous rappelez euh, euh, ouais. Et là, ben j'ai pas resté longtemps parce que j'ai eu des problèmes euh, Deux mois plus tard, j'ai eu des problèmes, une infection de punaise Ben oui, j'ai eu des punaises, c'était comme dégueulasse Foutu là, dégueulasse qui te pique J'ai eu ça, ça m'a pris du temps euh, Des punaises de lit qu'on appelle ça euh, Ça a pris du temps avant de m'en débarrassé. Euh, euh, c'était de la vraie merde. <laughs> un mois avant d'entrer en, euh, en prison, je vais à un mois avant d'entrer en prison, je vais à l'école pour recommencer. Rencon rencontrer le directeur. Ah, euh, ça, je sais pas c'est quoi, je m'en rappelle pas. sûr que j'écris mes affaires, Il hein, y a des affaires que. Hein, et, ouais. Bon, en tout cas, il dit que un mois avant d'entrer en prison, hein, ça c'est alors, je dit que je vais à l'école pour rencontrer le directeur. Et il me dit qu'il n'est pas prêt de me voir cette année. Ah ouais, comme j'ai comme j'avais dit, euh, j'ai eu bien des problèmes avec le directeur, hein, euh, qui était pas prêt de me voir. <laughs> C'est ça. Hein? Il a haï ma famille. Il a ma famille. Il a insulté ma famille qui m'aimait pas, qui m'a chuté dehors. hein? Un esti de fou. Mais aussi aussi parce qu'il était il était pas prêt parce que j'ai menacé. Un gars. Wow. ok, C'est comme, ok, Oui, j'ai menacé un gars, mais, euh, garde. Euh, J'étais en maudit après lui, là. C'est un peu normal, eh, Mais en tout cas, il m'a renvoyé pour ça, là. Mais en tout cas, euh, lui, il était, il était pas mieux. Mais il insultait ma famille. Que, euh, euh, qu que ça? Une semaine après la prison, c'est la fête de, de, des quatre ans de Jérémy. Jérémy, euh, le frère de mon garçon, euh, que vous vous rappelez. Hein eh, euh, que c'est ça. Euh, Malheureusement, ce garçon. Mon, là, il est, il est correct, mais euh, il y a, eu, euh, a eu quelque chose. Eh, euh, deux mois plus tard, ben Jérémy a eu un cancer. Ouais. Un fameux cancer. Euh, à ce âge-là, c'est vraiment pas. Euh, c'est vraiment pas le fun. Avoir un cancer à cet âge -là, là franchement, là. Euh, euh, non. Euh, garde à quatre ans, là, non. Euh, que c'est ça. Euh, et, euh, et un peu de temps après, ben, c'est la fête de des de deux ans de mon garçon à moi. Euh, que c'est ça. Euh, William, que, que je vous parle souvent quand même. Euh, que c'est ça. Euh, mais, et euh, en, dans ce temps-là, il ben, était en en famille d'accueil euh, quand elle l'avait foutu en famille d'accueil vous en avez parlé aussi euh, dans le chapitre 4, je pense hein, ou dans le chapitre 5, mais au début en tout cas Ok, c'est ça ouais 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 deux mois plus tard ben je retourne à l'école pour m'inscrire mais je suis euh, sur la liste d'attente que j'attends j'attends que okay, j'attends Ok. ouais 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 que okay. mais anyway, ouais et je pense que je vais arrêter ça comme ça. Ben oui. Et euh, on va continuer euh, là-dessus euh, à une prochaine vidéo. Hein, C'est ça. Ouais, je vais continuer euh, euh, mon histoire de ma vie. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé? Euh, 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 J'y tu vraiment rentré à l'école euh, quand j'étais dans la liste d'attente? Hein? Euh, super. Vous le saurez dans la prochaine vidéo. Que bye, mes king. Bye. I mean,